Coucou les filles, alors je vais vous faire une petite revue improvisée. C'est pas tellement une revue, c'est plutôt une démo improvisée sur comment moi personnellement j'utilise l'huile démaquillante donc de chez L'Oréal. Oui, je l'utilise énormément. Donc j'en profite parce qu'aujourd'hui en fait je suis un peu maquillée fort, que ce soit sur les yeux ou sur la bouche. Donc pour ça, moi tout simplement j'utilise mes minines, et pour rincer c'est une espèce de petite éponge que j'avais eu dans un kit. C'était pas un kit en fait, j'avais une crème dépilatoire et il y avait la petite éponge pour frotter, pour gratter un petit peu. Donc tout d'abord je mets de l'huile dans mes mains, j'en mets généralement, ça dépend du maquillage que j'ai. Là aujourd'hui je vais en mettre deux pompes, donc deux, non j'en ai mis trois, non, je me suis emballée. Et je frotte dans mes deux mains. Et après, tout simplement, je le passe partout. Hop. Tout d'abord, je fais le visage. Et ensuite, j'en reprends. Et là, je fais les yeux, en fait. Et bah après, ressembler un petit peu à ça, je fais la bouche. Là, comme ça, c'est le... C'est le... Le clou. Ensuite, je me rince les mains et je repasse avec les mains mouillées sur tout le visage. Je prends ma petite éponge, je la mouille un peu et là je me rince le visage. Voilà donc ce que ça donne. Je m'essuie évidemment avec une petite serviette. Et c'est là que je vois qu'il n'y a vraiment plus rien sur mes yeux. Puisque sur la serviette, il n'y a rien du tout. Voilà donc comment je fais. Alors cette huile est vraiment très très bien. Elle laisse pas d'effet gras. Elle sent plutôt bon en plus. Enfin, moi je trouve que c'est... Ça va quoi? Ça pue pas? Bon, c'est L'Oréal. On sait que L'Oréal n'a pas forcément la meilleure compo du monde. Donc ça, cette revue ne plaira pas à tout le monde. Enfin, cette démo ne plaira pas à tout le monde. Mais je voulais quand même la faire, histoire de... après ça, généralement, j'ai pas besoin d'utiliser de lotion ou quoi. Enfin, de démaquillant en plus. Mais je passe quand même la Bioderma ou de l'eau de rose ou de l'eau de romarin. Histoire de... voilà, c'est juste histoire de nettoyer quand même. C'est plus psychologique. Tout est une histoire de psychologique. Alors, juste un truc. Alors, elle pique pas les yeux. Mais si vous avez le malheur quand même de vous en mettre dedans, vraiment. Je veux dire, si vous passez comme ça, là, hop, là, vous pouvez ouvrir les yeux, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez le malheur d'en mettre à l'intérieur, je vous garantis pas du résultat quand même. Hein. Ça pique un petit peu. Quand même, enfin, voilà, ça reste un produit, ça reste l'œil, voilà. Faut pas non plus demander la lune. Ça picote forcément et rincez. Rincez, enfin, faites quelque chose. On sait jamais. Je ne sais pas si c'est marqué. Mais ils disent tester sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc logiquement, si vous le foutez dans l'œil, si vous le fichez dans l'œil, pardon. Il n'y a pas de risque, ben, il ne va rien vous arriver, vous n'allez pas perdre un œil, il ne va pas s'envoler en disant « t'es malade, je ne veux plus te voir » normalement, voilà. Mais dans le doute, hein, y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, donc dans le doute, rincez quand même. Moi je sais que là, aujourd'hui, je vous le dis parce que en fait ça vient de m'arriver pendant que je filmais, vous allez sûrement vous en rendre compte. Je me le suis mis vraiment dans l'œil et...
ça picote. Franchement, ça picote. Ça ne fait pas mal, mais c'est vraiment très désagréable. Et donc, j'ai tout de suite rincé. Enfin, j'ai tout de suite passé l'éponge dans le creux. Et voilà, on ne sait jamais. Donc les filles, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. C'est très très court, faut l'avouer. Je vais vous faire des bisous, évidemment. Comme chaque fois, comme toujours. Ah bah oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, et je vais vous faire des gros bisous, évidemment. Hein, je viens de le dire, Mélanie. Je vais vous faire des gros bisous. Ça fait juste 3 fois. Que je vous en fais. Si vous en avez marre, vous me le dites. J'arrête. 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 Je vous refais des gros bisous pour la 4e fois. Hein, voilà, on change pas une équipe qui gagne, je viens de le dire. Je vous refais des gros bisous pour la 4e fois dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.